d'être éleveur de volailles, c'est prendre soin des animaux, c'est de prendre soin des oiseaux comme si c'était nos bébés. C'est veiller au grain, tu t'en occupes à chaque jour comme si c'était tes proches. Tu sais, faut qu'ils soient bien, faut que ça soit ça à la coche. C'est vraiment ça. Ouais. Chaque détail compte aussi, puis c'est une fois que tu l'appliques, ça affirme, ça a tout son sens. Puis, tu sais, les oiseaux, ils parlent d'eux-mêmes et tu le vois au visuel. Deux fois par jour, minimum, qu'on marche à travers le poulailler, quand on les reçoit, c'est... Chaque demi-heure, tu vois souvent, full time, c'est 7 jours sur 7. En tout cas, c'est pour ça que je pense que notre tête, il décroche comme pas. Le premier 24 heures, il est très important dans les dindonneaux. Fait que tu les reçois, faut que tu marches à travers, faut que tu vois s'ils sont bien, faut que tu ajustes la température, l'air, un petit peu moins, c'est ça. C'est vraiment d'avoir le visuel. Les oiseaux vont dicter comment c'est. Moi, c'est important quand même. Tu sais, quand on les reçoit, les petits poussins, en tout cas, ils sont tellement comme beaux. Non, c'est comme si je prends ça vraiment à cœur, puis c'est comme vraiment, je les traite vraiment comme bien, puis je les aime. Bien, j'ai tombé un peu en amour avec le travail sur la ferme. Tu fais pas tout le temps la même chose à chaque jour, tu sais, c'est préparer les poulaillers, les nettoyer. Après ça, on a de la grande culture, fait que ça fait vraiment une diversification où on touche à tout en agriculture. Puis j'aime bien me considérer aviculteur, mais être un agriculteur dans l'ensemble, j'aime bien le terme, oui. J'ai 4 enfants, mais comme dans le cas de Steven, mettons, avant de dire papa ou maman, c'était tracteur. Fait que c'est... Depuis que je suis tout jeune, tu sais, je venais à la ferme, puis tu sais, j'aidais mon père à préparer les poulaillers dans le champ aussi. Le souci des détails, je l'apprends de lui, puis de plus en plus, c'est ancré dans ma culture, c'est ancré dans moi aussi. La base, ça vient de mon père, là, ça c'est sûr. C'est vraiment de se compléter. Sinon, ça marcherait pas. Je suis fier de lui. Puis avoir un partner, mettons, puis voir que la femme, ça peut continuer. C'est bien.